C'était moins stressant les votes pour de vrai que les votes en répétition. Écoutez-moi. J'ai pas de mots, je pense que j'ai besoin de me retrouver dans ma loge avec ma petite sœur et de la serrer dans mes bras et de faire retomber. À vrai dire, là pour l'instant, je suis un peu. Voilà. J'étais plus stressée avant la prestation qu'après, parce qu'en fait je me dis qu'une fois que les choses sont faites et je crois qu'on est tous un peu d'accord, on a fait ce qu'on avait à faire quoi, et tout le reste ça nous appartient pas vraiment finalement. Aucune idée, et je pense que je vais prendre un peu de temps pour y réfléchir. Là tout de suite j'imagine que je vais aller dans mon lit bientôt, j'espère, et ce sera déjà pas mal. Regardez-moi. Je sais pas, je crois qu'il va y avoir beaucoup de promos. J'ai appris que j'avais une matinale demain à 6h du matin. Là c'est un peu, c'est difficile de sortir scène de... Je pense qu'il va y avoir beaucoup de travail, mais bon, je suis besogneuse quoi, donc j'ai l'habitude de bosser beaucoup et voilà, ça me fait pas peur. Tout ce que j'ai, je le dépose. Merci mon dieu, merci. Je pense que je vous adresserai un message demain quand je me serai remise de tout ça, parce que là pour l'instant c'est encore une fois trop... Mais évidemment, je m'adresserai à vous tous et merci pour vos votes, merci pour votre confiance, merci pour vos messages, les quelques-uns que j'ai eus. Vertigineux. Vraiment, c'était une expérience incroyable et je crois que ce sont des gens formidables, là, des artistes formidables. Et voilà, et moi j'ai rencontré des gens géniaux en tout cas et je suis ravie de ça. Quoi. Ne partez pas. J'adore Juliette, elle me touche beaucoup, mais elle me touche encore plus dans la mesure où sa musique me parle à moi directement, parce que c'est mes références aussi. Et ben, mais tous, hein, c'était pas. C'est que Juliette, on est dans la même loge, alors du coup, il y a plus de proximité. Je veux qu'on m'aime, parce que moi, je sais pas. Je suis pas vue encore, donc moi, ça m'a juste fait finalement de chanter. J'ai l'habitude, j'avais déjà chanté, ça me faisait pas trop peur, et par contre j'ai pas vu ce que ça donnait aux images, donc je vais rentrer chez moi un jour et je vais regarder. Non, en fait je trouve que rien que ça déjà c'est super joli, l'histoire est trop belle. Valentina, il y a eu Carla l'année d'avant, Valentina cette année, et je trouve que les histoires comme ça qui s'écrivent sur la longueur, c'est les plus belles. C'était pas du tout prévu, ni qu'on écrive pour Carla, ni pour Valentina, ni que je me présente. C'est des choses qui arrivent au fur et à mesure. Et de voir les choses avancer et la vie se construire comme ça, c'est quand même assez dingue. Bah voilà.